et de le reconstituer comme ça avec des vrais costumes, un élément historique. Et ça montre à tout le monde, aux enfants, ce qui s'est passé. Et en plus, voilà, c'est génial. Et je suis super ravi. En fait. Les premiers tirs, ça... On vient d'Italie, donc on différentes villes d'Italie. On vient de Milan, de Vérone, on vient de Mantua, on vient de la partie adriatique ou de la partie de Toscane. Ben, on est tous des fans de Napoléon, donc je pense que ça, c'est le début. Après, on aime bien l'environnement de l'histoire napoléonienne. Ben, c'était un très grand travail, c'était pas facile en plus, hein, parce que bouger 1000 personnes d'un côté à l'autre de la ville, avec les bus, avec toutes les personnes qui ont géré l'organisation, c'était vraiment intéressant et c'est une chose que nous avons vraiment très bien appréciée. C'était très bien, ouais, ça met de l'ambiance, ça fait ce week-end. Ah ben ça, je le vends. Parce que ce que je peux dire, non pas de l'événement, mais des événements, beaucoup de public, l'accueil, un bon contact avec monsieur le maire aussi, ça c'est important, et avec monsieur le député. Et donc j'ai rencontré des personnes avec qui on a pu échanger, et c'est toujours un plaisir. Alors comme d'habitude, grandiose. Le défilé a été superbe, le soleil était de la partie et les gueux aussi.